devient une source d'eau vive. Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 4, verset 14. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. L'eau vive que Jésus nous donne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Et lorsque nous développons une relation personnelle avec le Saint-Esprit, que nous lui permettons d'habiter en nous, il va nous accompagner partout où nous allons. Et cette eau vive va être à notre disposition. Et elle va jaillir de nous pour toucher la vie des personnes que nous aimons, pour toucher la vie des personnes pour lesquelles nous prions. Reçois le don du Saint-Esprit et décide de devenir une source d'eau vive. Comment donc? Simplement en priant pour les personnes autour de toi, en priant pour que le Seigneur agisse dans leur vie. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui te parle d'un problème ou d'une maladie qu'elle a, propose-lui de prier afin que le Seigneur agisse et interviennent dans cette situation. Prie pour la guérison des personnes. Prie pour que les personnes soient libérées de leurs peurs, de leurs angoisses. Prie pour que le Seigneur intervienne dans leur situation familiale. Prie pour que le Seigneur intervienne et aide leurs enfants à l'école. Prie pour chaque besoin des personnes. Prie de façon vivante. Prie avec les personnes. Prie afin que les personnes se rendent compte que toi, tu adresses au Seigneur une prière en leur faveur. Et tu verras que le Seigneur agit. Tu verras que le Saint-Esprit qui est venu en toi va agir et va devenir cette source d'eau qui jaillit de toi pour bénir les personnes autour de toi. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous invite à le transmettre à vos amis et aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Devenez ainsi un instrument de bénédiction pour les autres. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. C'est grâce à nos généreux donateurs que nous pouvons continuer notre ministère. Si vous voulez nous aider à promouvoir ces messages, vous pouvez regarder dans la description comment faire un don. Et de cette façon, nous allons pouvoir rejoindre toujours plus des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Merci.